On est à Saint-Jean-Port-Joly. Mon nom, c'est Sylvain Bélanger. Ici, présentement, j'ai débuté ma deuxième coupe là, en fin de semaine. On a eu une bonne averse jeudi passé, mais ça faisait plus d'un mois qu'il n'était pas tombé de pluie. Et puis, le printemps était quand même assez sec. Ici, on est dans un champ, là, c'est mon pire champ, là, parce que il y a eu un redoux en janvier. Puis ça a occasionné une débâcle de la rivière. Puis ça l'a inondé, puis là, bien, après ça, le fret a pris, ça l'a gelé, fait que ça a tout fait mourir la luzerne qu'il y avait dans ce champ-là. Dans ce champ-là et dans l'autre champ qui est l'autre côté aussi. Fait que les plantes mortes, combinées avec la sécheresse, bien, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de foin. Mais en général, même les champs où il n'y a pas eu de mortalité, là, le rendement est très faible. Je vous dirais, là, je pense à peu près 25 à 30 % d'une deuxième coupe normale. Là. Puis on avait eu déjà une première coupe qui était peut-être 50, c'est dur à dire, peut-être 50, 60 % peut-être d'une première coupe normale. Ça fait que, puis l'année dernière aussi, ça avait été sec. Plus à partir de la deuxième, on n'a pas eu beaucoup de deuxième coupe ni de troisième coupe. Fait qu'on est arrivé ce printemps, les réserves sont quand même pas très hautes en foin. Fait que ça nous, en tout cas, on espère que l'annonce de la pluie pour mercredi, on vient d'avoir 50 mm, comme je disais jeudi passé. On espère que la troisième coupe va pouvoir être assez abondante. Là. C'est ce qu'on souhaite. Oui, c'est ça. Bien, on le voit dans ce champ-là. Même nous autres, on fauche avec une faucheuse de 10 pieds de large. Puis on double les andins, ce qui donne 20 pieds. D'habitude, ça fait un bel andin, là. Puis j'ai pas à rouler très rapidement avec le tracteur. Mais là, même doublé, ça donne tout petit. Je peux pas. Je pourrais accélérer plus pour la capacité de la machine, mais à un moment donné, c'est une limite. On veut. Ça brasserait trop, là, tu sais.